Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est parti pour l'Ultra Trail des Côtes d'Armor 90 km en compagnie de l'ami Gary, de l'ami Sébastien et toute une petite jolie troupe. On est parti depuis combien de temps? Une heure, on est au 10e kilomètre, le jour commence à se lever, il fait beau, tout va bien, c'est parti. Et voilà, nous voilà au 16e kilomètre à peu près. On vient d'arriver sur la côte là. Coucou la petite mer. Bon, pour l'instant tout va bien, mais bon, c'est normal, c'est un peu tout plat, donc le piège c'est de ne pas aller trop vite. Hein Gary? Hein? Quoi? Moi? Non, jamais. Bon, on est au 33e kilomètre. On est en train de faire le tour de l'île Renote. Je sais pas trop comment on dit. Voilà, on va pas frustrer les locaux. On va dire Renote. Allez, partons là-dessus. Voilà, donc c'est magnifique. Et il y a même des gens qui ont des maisons sur cette petite île. À mon avis, le petit Airbnb ou la petite maison de vacances dans le coin, ça va pas être dégueulasse quand même. Voilà. Je vous laisse apprécier. Bon, le seul inconvénient, c'est qu'il faut pas se mentir, l'eau elle doit quand même être à moins 18 là, et ça doit bien cailler quand même. Vive la Manche! Bon, on est reparti du ravito, on est resté un petit temps quand même. Ça fait du bien de bien s'arrêter, bien manger, et là, on est reparti. Bon, le départ c'est toujours un peu, bonjour, toujours un peu compliqué, mais ça le fait, ça le fait. Voilà, les paysages sont vraiment top, vraiment de la chance. Au niveau de la météo, tout va bien. Voilà. La fameuse côte de granit rose. Bon, alors, je crois que c'est un petit peu la fatigue générale. Ça parle un petit peu moins. Et oh putain, chute dans le peloton en direct. Et puis ben moi aussi hein, je suis un peu sec. Ils m'ont forcé à faire une vidéo parce que j'avais pas envie. Et ils m'ont dit ah fais une vidéo tout ça. Mais j'ai pas envie, regarde ma gueule, tu crois que j'ai envie de parler à une caméra à bout de plastique? Non, j'ai pas envie. Mais je l'ai fait quand même. Bon bah on est au 45e en 5h15. Voilà. On devrait arriver après le couvre-feu, tout va bien. Allez, on va bientôt arriver à l'île Grande. On a récupéré Samuel qui était parti un petit peu avant nous. Et voilà, donc on se retrouve à plus 2 maintenant par rapport au départ. Donc c'est chouette. Il y a du monde qui le fait en off. C'est cool. Allez, petit tour de l'île Grande. On a bientôt fait le tour de l'île Grande. Et là le groupe s'est divisé en deux. Voilà, Gary et Seb devant là. Et puis on a laissé l'autre groupe derrière parce que ça a commencé à peiner un petit peu, mais bon, si ça se trouve on va se rejoindre tout à l'heure. Il reste encore plus de 30 bornes, il peut se passer plein de choses. Et voilà, on vient de quitter l'île Grande, donc ça fait 60 km, les deux tiers sont faits. Et pour l'instant moi ça va, ça y est, on est redevenu un seul groupe et on a récupéré aussi Samuel qui était parti tout seul, donc on est 7, c'est chouette. Voilà, bon, on va voir qu'est-ce qui va se passer sur la suite. Mais en attendant, tout va bien. J'ai même posé la veste là parce qu'il n'y a plus de risque de pluie. Voilà, tout va bien. J'en trouve des jambes en plus. Les paysages sont variés quand même. Hein. Je pensais pas que ça allait être aussi varié. C'est cool. Passe un bon moment. On est en train de faire le tour d'une île qui est super chouette là. Ça s'appelle l'île Mio. Voilà. Vraiment super beau. Avec des rochers là, on dirait des têtes de je sais pas quoi là. Faut laisser place à son imagination.
Moi je vois un chien couché là. Tu vois pas? Hein? Les oreilles vers l'arrière, le museau, devant là. Couché, pas bougé. Ça fait 1000 ans qu'il est. 1000 ans. 10 millions d'années qu'il est là lui. Il risque pas de bouger. Bon, bah il nous reste 14 km. Et on est sur un terrain qui est hyper vallonné, type sentier côtier. Voilà, comme j'aime, tout ce que j'aime. Là c'est vraiment. C'est l'éclat total, en plus les jambes vont bien, donc dans les côtes on marche et dans les descentes on envoie du steak. Voilà, on s'éclate. Voilà, le petit groupe de 3 est toujours, toujours en place. Regardez, magnifique. Allez. Voilà, ça c'est tout ce que j'aime ça. Là on est bien. On arrive dans les 10 derniers kilomètres. On est sur le halage là. Et la pluie s'invite pour terminer l'aventure. Là il y a Seb qui commence à fatiguer un peu. Gary. Bon, un petit peu fatigué quand même. Hein. Ça remue un peu quand même. Ça commence. Voilà. Moi je suis fatigué, j'ai commencé à avoir les jambes sur le braque. Donc il est temps d'arriver. Ouais. Allez, bon. Et dans le genre sadique, les organisateurs de l'UTCA te mettent une descente comme ça. À la fin là, c'est infâme. Et après, apparemment, il y a des escaliers de malade. On va aller voir ça. Ah bah c'est là. Oh bordel. Allez les gars, hein. Allez hein, on y croit. Tu connais le truc qui dit c'est dans la tête. Allez les gars. Et voilà, plus que 200 mètres avant d'arriver au parking de l'arrivée. Bon bah, comment t'as trouvé? Extra. Ouais, super. C'était bien. Voilà, bon. Les beaux. Les ravitaux au top. Voilà, les joies du off, tu fais ton ravito toi-même. Bon bah, on a passé un bon moment. Voilà, maintenant il va falloir récupérer. Et puis, vivement le prochain. Allez, on va aller se taper la ligne d'arrivée. Enfin, fictif. Bon, et ben voilà. Une bonne chose de faite. Le parking est arrivé. C'est là la ligne, je crois. Ah ouais, c'est là. C'est là, hein. Ouais, c'est là. Allez, ouais. Vas-y, on se fait la ligne. Allez, ouais. C'est bon. On fait une petite ligne. Ah. 1, 2, 3. Wow. Et voilà. Super. Magnifique. Bon, et puis pour te remercier d'être resté jusqu'au bout, petite surprise. Bouge pas. At the desert, 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 at the desert